Alors Maëva, aujourd'hui on va travailler ce qu'on appelle le moulin. C'est une figure qui paraît toute simple, mais qui en fait est compliquée et qui demande beaucoup d'équilibre. Allez Maëva, à cheval. On commence toujours les jambes bien tendues, les deux mains au pommeau. On commence par lâcher la main droite, on passe la jambe droite, on reprend tout de suite le pommeau avec la main gauche. Bassin perpendiculaire au cheval. Encore, encore. Voilà. Maintenant, on passe la jambe gauche par-dessus la croupe. Et hop, avec la main gauche, on prend tout de suite le pommeau. Là, quand vous êtes dans cette position, pensez à bien reculer les jambes vers le cheval. Là, ça vous permet de lâcher les mains et puis de faire différentes de figures. Normalement, dans cette position, les Cosaques prenaient un fusil ou un pistolet pour tirer sur l'ennemi qui était en train de nous suivre. Lâche tes mains. Voilà. Et puis fais semblant comme si tu avais. Hop. Tu reposes ton pistolet. Et puis tu remets tes mains. Du coup, tu passes la jambe droite. Tu te mets bien. Voilà. Et tu repasses ta jambe gauche avec la main droite. Alors, quand vous êtes sur le côté, vous n'êtes pas obligé d'avoir la jambe tendue. Tu repasses ta jambe. Vous pouvez très bien. Mets-toi bien perpendiculaire. Mets-toi perpendiculaire du cheval. Voilà. Et les jambes peuvent être pliées comme ça. On lâche la main droite, on passe la jambe droite, on reprend le pommeau des deux mains et on se met perpendiculaire au cheval. On se pense légèrement en arrière, on peut prendre appui comme ça sur le pommeau pour passer la jambe par-dessus la croupe et on se plante en arrière. On porte surtout pour ne pas avoir les jambes ici, au niveau du fond du cheval. Il faut que ce soit comme ça. Donc, toujours le même principe, on passe la jambe. Une fois qu'on a passé la jambe, on revient prendre tout de suite le pommeau. Une fois qu'on est dans cette position, on se replie comme ça, on lâche la main droite, on passe la jambe et on reprend son pommeau. Donc en gros, ça fait ça. Voilà. Il y a un passage où on peut s'aider un petit peu avec le soutien pour se maintenir. Toc. Et toc. Il faut vraiment que ça fasse ça. Bon, alors, pour les ailes du moulin, il y a un exercice préparatoire. C'est en fait, vous faites les ailes du moulin, c'est-à-dire que vous faites un tour complet sur la selle, mais sans prendre aucune poignée, ni le pommeau, ni le trousquin. Oui. Voilà, et à chaque fois, tu prends ton équilibre. Voilà, continue. C'est élégant, hein. Allez Maëva, un petit effort. Tout en gras, c'est les abdos. Ouais. Et ça, ça fait les abdos. En voltige en ligne, en voltige Cosaque, en fait, on est toujours tenu par le temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut replacer le bassin face à la marche pour juste avoir la jambe, pour pouvoir remettre la jambe en place le plus rapidement possible. Mais encore merci de suivre Créa Voltige. Merci Maëva. Et à très bientôt. À bientôt.